André Cabrera est musicien et habite De Broeckere. Le faire sortir de l'ombre, comme d'autres Bruxellois installés sur le trajet du métro, c'est l'objectif de Métro 5. Beaucoup de gens font la navette en dessous et effectivement, ils ne savent pas ce qui se passe au-dessus. C'est une ligne exemplaire. Elle donne une idée de diversité à Bruxelles. Il y a beaucoup de quartiers qui sont au-dessus de la ligne 5, d'Anderlecht, Molenbeek, centre de Bruxelles, quartier européen, Etterbeek, Oudergem. Donc c'est une diversité de quartiers, une diversité de gens qui habitent et qui travaillent aux alentours. Depuis 3 ans, Jeroen cultive cette friche de la rue Van den Perrebaum, devenue avec le temps un véritable carrefour dans le quartier. Métro 5 le sort aujourd'hui de l'anonymat. Ici on est chez vous, mais on est où ? Gare de l'Ouest, dans un jardin public, ouvert, privé. C'est vous qui l'avez conçu ? Je l'ai conçu, hein. On y trouve quoi ? Surtout un endroit où les gens se rencontrent. Et pour ça, j'ai fait quelques trucs. J'ai fait une petite mare, j'ai fait quelques petits potagers, j'ai fait une piste de pétanque, une balançoire, un petit peu pour tous les goûts. Et alors ça permet de rapprocher les gens, parce que l'un vient pour la pétanque, l'autre vient pour les tomates. Et puis indirectement, ils se parlent quand même, quoi. Pendant 3 mois, via un journal et des balades en vélo, riverains et navetteurs sont donc amenés à se côtoyer pour arrêter de se croiser sans se reconnaître.